Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette séance d'information et d'échange en ligne sur les aménagements des corridors scolaires et de trottoirs dans le quartier Saint-Émile. Je me présente, Sayana Kroon, conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne, et j'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir. Avant de poursuivre, je vous ai déjà demandé de fermer vos caméras et micros. Mais je vous informe également que la séance de ce soir sera enregistrée et rendue publique sur le site Internet de la Ville de Québec dans les prochains jours. Et permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Nous avons Monsieur Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif et responsable du transport, mobilité et circulation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous avons également M. Steve Verrette, membre du comité exécutif et conseiller municipal du district Lac-Saint-Charles et Saint-Émile. Bonsoir. Et nous avons également Mme Bianca Dussault, conseillère municipale du district de Val-Bélair. Bonsoir. Pour les professionnels de la ville qui présenteront ce soir, nous avons l'équipe du service de transport et de mobilité intelligente. Nous avons Mme Caroline Larouche, directrice de la division de la planification du transport et de la conception routière. Bonsoir tout le monde. Nous avons également Monsieur Sergio Miguel Marquez d'Acosta, chef d'équipe de la planification des transports. Bonsoir tout le monde. Monsieur Sergei Kosov, ingénieur chef d'équipe. Bonsoir tout le monde. Nous avons aussi la présence de Madame France Boisvert, technicienne en génie civil. Bonsoir. Et Monsieur Daniel Simon, technicien en transport, qui pourront répondre à vos questions ce soir. Bonsoir. Je tiens également à souligner la présence de mes collègues Dominique Gagnon et Héloïse Gaudreau, conseillères en consultation publique, qui vont me soutenir à l'animation lors de la période des questions et de l'atelier en sous-groupe. Je vous rappelle que l'objectif de cette séance est de vous permettre d'échanger et de partager vos commentaires et vos préoccupations auprès des intervenants de la ville. Et brièvement, pour le déroulement de la soirée, nous allons débuter avec un mot d'introduction de M. Verrette. Et ensuite, nous allons poursuivre avec la présentation. Et suite à la présentation, nous allons avoir une courte période de questions de précision. Et par la suite, nous allons vous inviter à discuter en sous-groupe lors de l'atelier dans lequel nous allons vous poser trois questions. Et pour finir, nous allons revenir en plénière afin de rapporter vos échanges lors de l'atelier. Et on estime que la soirée se terminera vers 21 h pour les personnes qui participeront à l'atelier. Sans plus tarder, j'inviterai Monsieur Verrette pour le mot de bienvenue. Merci, bonsoir tout le monde. Pierre-Luc, Bianca, la présidente d'arrondissement. C'est une priorité à la Ville de Québec, la sécurité routière, bien que depuis mes 17 années, c'est récurrent à chaque rentrée scolaire. On a toujours des questions pour parler de sécurité de nos enfants. Donc, c'est important. Alors, on prend la chance. Je pense que c'est une belle initiative, les consultations publiques en virtuel. On rejoint beaucoup plus de monde. Donc, merci d'être là. Puis, comme je vous l'ai dit en entrée de jeu, Pierre-Luc Lachance, qui est notre vice-président de la Ville de Québec, est là aussi pour démontrer que tout l'intérêt qu'on porte à la sécurité routière et au transport scolaire. Merci. Bonne soirée. Merci, Monsieur Verrette. Est-ce que Monsieur Lachance, vous voulez... ça va aller. Parfait. Merci. Avant de passer à la présentation, comme il y a plusieurs sujets qui seront abordés ce soir, nous souhaitons connaître les sujets qui vous interpellent le plus en répondant au sondage qui va apparaître à l'instant à l'écran. Et je laisserai maintenant la parole à mes collègues du transport et mobilité intelligente pour la présentation. Donc, Sergio, je te demandais peut-être de partager l'écran. Donc, bonsoir tout le monde. On est très heureux d'être avec vous ce soir là, pour vous présenter le travail qui a été mené par les équipes. Donc, ce soir, on vient vous présenter vraiment la stratégie de sécurité routière pour le déploiement du quartier Saint-Émile.
Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Le plan de la présentation pour vous ce soir, on va faire une brève mise en contexte. Par la suite, Sergio va vous présenter les corridors scolaires qui seront travaillés dans le cadre de la stratégie de sécurité routière. Sergei vous présentera également les projets trottoirs. On a un point variable parce qu'il y a plusieurs projets qui sont en développement dans votre secteur. Donc, on veut vraiment vous présenter là, qu'est-ce qui s'en vient, les projets qui sont à l'étude. Puis, période de questions et de commentaires. Donc, pour la mise en contexte, comme le mentionnait M. Verrette d'entrée de jeu, la sécurité routière, on le sait, c'est au cœur de vos préoccupations. Hein? Mon équipe là, reçoit là, de manière annuelle plus de 7000 requêtes citoyennes. Et de ces 7000 requêtes-là, plusieurs ont attrait à la sécurité routière, la vitesse, les zones scolaires, les sites accidentogènes. Donc, on le sait que ça vous préoccupe. Pour y répondre, on a une stratégie en sécurité routière qui vise la période des années 2020 à 2024, donc pendant 5 ans. Et qu'est-ce qu'elle vise, cette stratégie-là? Bien, c'est des investissements qui sont majeurs. C'est 60 millions de dollars qui sont investis sur 5 ans, dont 25 millions de dollars pour des projets de trottoirs, donc 5 millions par année. Donc, ça nous amène à déployer un réseau pour la mobilité active et assurer le déplacement sécuritaire de nos gens à l'intérieur des quartiers. C'est également la mise à jour, la création et la mise aux normes des 115 cheminements scolaires sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec qui sont revus, corrigés et aménagés. C'est également la création du Bureau de la sécurité routière, donc 18 policiers qui sont dédiés à temps plein à mener et à préparer des interventions dans le cadre de la sécurité routière. 18 policiers, ça ne veut pas dire que l'ensemble des autres policiers du territoire de la ville de Québec ne travaillent pas en sécurité routière, mais on a 18 personnes là, qui font ça de manière quotidienne. C'est un travail colossal. C'est 2000 traverses piétonnes qui sont réaménagées et sécurisées. C'est 35 afficheurs de vitesse qui ont été acquis et qui sont déployés pendant tout le printemps, l'été et l'automne dans chacun de nos quartiers. Et c'est une campagne de sensibilisation et de communication à Québec, on dit oui à la courtoisie, là, qui est déployée sur plusieurs plateformes pour réussir à faire, je vous dirais, rejoindre les citoyens sur tout le volet sécurité, courtoisie et également là, la vitesse. Prochaine. On a deux cibles qui sont très importantes pour nous. Là. La première cible qui est visée, c'est 2024. Aucune collision mortelle ou grave autour des écoles. Et c'est pour ça que notre action phare, c'est la révision des 115 cheminements scolaires des écoles primaires et une diminution de 50% et plus des collisions mortelles ou graves sur tout le territoire. Tout ça pour arriver en 2040 avec zéro décès de piétons et de cyclistes. On le sait que ce sont des cibles qui sont ambitieuses, mais on sait que c'est réaliste. Hein? Les équipes avec lesquelles je travaille et avec lesquelles on collabore, c'est notre préoccupation quotidienne. Lorsqu'on arrive le matin au travail, là, c'est dans cet objectif-là, ces objectifs-là là, qu'on travaille puis qu'on développe nos projets. Tout ça également, ça va nous amener à avoir un grand travail auprès de l'ensemble des citoyens pour faire augmenter, je vous dirais, là, tout le volet de la posture mentale parce que c'est une responsabilité partagée et tous et chacun, on doit y mettre du sien pour atteindre ces objectifs-là. Donc, à ce moment-ci, je donnerai la parole à Sergio qui va vous entretenir sur les corridors scolaires. Sergio, je te laisse y aller. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Tu m'as pris de court. Donc, effectivement, un corridor scolaire, donc, on vient de le voir, c'est une des actions phares. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un corridor scolaire? Parce que c'est quand même... À définir, c'est un ensemble. C'est un ensemble de mesures qui a comme pour principal objectif de sécuriser le déplacement des écoliers, mais aussi de favoriser l'accès au site de l'école, protéger les traverses piétonnes ou protéger les zones de débarcadère. On est aussi dans un objectif de signalisation, donc de vraiment indiquer la présence de l'école et de alerter les utilisateurs à la proximité de l'école. Et l'objectif final, bah, c'est de plus en plus de favoriser les déplacements actifs, donc de se déplacer vers l'école à pied ou à vélo, ou en tout cas en limitant l'utilisation de véhicules. Alors, quand je dis que c'est quelque chose de très global, c'est qu'en fait, on va intervenir sur plusieurs éléments.
pour réaliser, on va dire, ce parcours, on va travailler déjà le premier qui est potentiellement, est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux au niveau de la géométrie de la rue. Donc, quand on parle de géométrie de la rue, c'est les trottoirs qu'on va voir un peu plus loin, c'est le traitement des intersections, c'est la mise en place potentiellement d'intersections surélevées, le travail au niveau des débarcadères. Deuxième élément pour la signalisation, elle peut être lumineuse. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner les vitesses variables ou les lumières qui vont prévenir de la présence de l'école à proximité. Et le deuxième travail, c'est tout ce qui va concerner le marquage au sol et les panneaux. Donc on en profite aussi au niveau de la ville pour se conformer au dernier règlement en vigueur imposé par le ministère. Donc ça nous permet aussi de mettre à jour tout ce qui est panneaux et marquages. Alors, c'est sûr que tous ces éléments-là, il peut y avoir un certain décalage, il peut y avoir aussi une certaine mise en œuvre. Donc, des fois, les choses, on va le voir, se font au fur et à mesure. Et puis, comme disait M. Verrette en introduction, c'est sûr qu'à chaque rentrée scolaire, il y a toujours des questions, mais parce qu'en fait, c'est un projet qui est évolutif. Donc, on va travailler ça une année avec certaines habitudes, et puis les habitudes vont aussi être amenées à changer. Donc, des personnes de l'équipe, donc régulièrement, continuent leurs analyses et on est capable aussi de mettre à jour. Donc, tout ça pour expliquer que on a peut-être aménagé des nouveaux travaux, mais on a aussi un petit temps pour vérifier l'efficacité et potentiellement pouvoir venir corriger si besoin. Au début de la stratégie, donc 2020-2021, on avait commencé par rassembler le maximum d'informations via des sondages qui sont venus compléter nos analyses terrain. Si on regarde au niveau de la Haute-Saint-Charles, donc pour le quartier de Saint-Émile, donc globalement, sur toutes les écoles qui ont été sondées dans votre arrondissement, 100% des répondants considèrent que la vitesse à proximité de l'école est un enjeu. Donc vraiment, ça ressort donc complètement la vitesse à proximité. Et puis le deuxième point, c'est vraiment les deux éléments qui sont, on va dire, plus notables sur la Haute-Saint-Charles, c'est-à-dire l'augmentation du véhicule, donc, qui est liée avec les nouvelles constructions. Donc c'est sûr qu'il y a des nouvelles habitudes qui se créent. Et il y en a aussi beaucoup de comportemental qui est ramené. Donc, c'est un point qui est intéressant et puis qui vient rejoindre un autre axe de la stratégie qui est la communication, c'est que le comportement des automobilistes à proximité de l'école, la majorité des gens qui se déplacent à proximité sont les parents qui amènent les enfants à l'école. Donc, globalement, c'est vraiment cet enjeu de comportement, mais qui est aussi induit par les mêmes personnes qui sont à proximité. Donc, si on le voit de façon plus visuelle, donc vraiment ce qui ressort par rapport aux autres enjeux, comportement, vitesse automobile et le volume de circulation qui engendre certaines problématiques de débarcadère. Si on rentre maintenant plus au niveau du conseil de quartier de Saint-Émile, 4 écoles. Donc, Vignoble, Accueil, Beau Séjour, Étoile du Nord. Donc, on va les défiler de façon très globale et puis on va revenir sur des détails un peu plus loin. Donc, au niveau de l'école de l'accueil, on peut le voir qu'on a travaillé depuis 2021 la mise à jour du réseau piétonnier, donc de trottoirs, que ce soit sur Guillaume-Bresse, sur Montrachet, ceux qu'on a réalisés aussi sur rue du Pinot ou Saint-Émilion. Donc, vraiment, l'exercice est de mailler le réseau, d'avoir vraiment une continuité dans les trottoirs. On a encore un petit aménagement qui est prévu cette année, donc vraiment devant l'école, on vient travailler dans la courbe pour essayer de rendre ça un peu plus compréhensible au niveau du stationnement, notamment pour éviter l'engorgement dans le virage. Du côté de Beau Séjour, qui se travaille en parallèle aussi avec l'école de l'accueil, donc des interventions vont être prévues sur la rue Fréchette, notamment avec le prolongement du trottoir, qui va pouvoir permettre de liaisonner la rue de la Faune jusqu'à la rue des Émilois. La mise en place de signalisations lumineuses donc sur la pierre, donc des panneaux lumineux pour venir amplifier le message de 30 km/h à proximité de l'école. Et on a aussi dans un gros projet donc, qui est aujourd'hui à l'étude, qui est vraiment l'aménagement de l'intersection La Faune-La Pierre. Donc, le projet est bien avancé. Et puis, je pense qu'on le voit un peu plus tard avec Sergi. Donc, c'est vraiment aussi une belle opportunité d'améliorer la sécurité à proximité.
Bon, je vais un peu vite, hein, mais on a une belle période de questions et d'ateliers juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, au niveau de l'école de l'accueil, donc déjà cette année, on a modifié les conditions de stationnement. On a essayé de rendre ça un peu plus fluide sur la rue Guillaume-Bresse. En étude, donc on travaille la mise en place d'un rond de virée, donc au bout de la rue de l'accueil. Et bien sûr, sur la pierre, les mêmes panneaux sont là, je ne les ai pas remis, mais ils vont être là aussi sur la pierre, et d'autres panneaux de signalisation lumineuse sur la rue Guillaume-Bresse. Donc là, ce petit schéma où on essaie de fluidifier et de rationaliser le stationnement. Sur Étoile du Nord, on a quelques petites modifications aussi à rajouter, même si c'est une école qui est récente. Donc là, c'est sûr qu'au niveau des habitudes, on vit avec aussi les nouvelles constructions, les nouveaux citoyens qui habitent à proximité. On va travailler l'intersection Galaxie-Apogée par la mise en place d'une intersection surélevée. Donc, une intersection surélevée, c'est le rehaussement de la chaussée vraiment au niveau de l'intersection pour favoriser le respect des arrêts et vraiment venir influer sur le comportement des automobilistes. Donc, c'est comme un gros bump, mais sur un plateau. Disons qu'aujourd'hui, c'est une méthode qu'on utilise de plus en plus, qu'on commence à construire de plus en plus en ville. Donc, c'est un principe d'intersection surélevée. Et bien sûr, on vient finaliser tout ce qui est marquage, signalisation, à proximité, puisque on va dire les dernières constructions qui étaient très proches sont terminées. Donc, on va venir continuer à bonifier le travail sur la rue de l'Apogée. Je pense que c'est là. Puis, on va voir plus loin les gros projets d'aménagement qui sont en étude. Là, on le voit déjà sur cette diapositive-là, mais on en parlera un peu plus tard avec mon collègue Sergueï. Donc, je pense que je vais te passer la POC. Oui, merci. Je vais demander le contrôle. Bon, alors, on continue avec les projets de trottoir pour vous présenter les concepts. Avant de parler et présenter les concepts plus en détail, juste quelques principes généraux dans le cadre du projet de trottoir. Premièrement, en construisant des nouveaux trottoirs, on vise d'augmenter la sécurité et le confort des piétons, favoriser les déplacements actifs et aussi consolider le cheminement piéton dans un quartier en fonction du générateur de déplacement. Ensuite, désolé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, alors, ensuite, dans le projet de trottoir, souvent, on choisit entre trois types de trottoirs. Alors, trois types de trottoirs, c'est vraiment comme ils sont divisés où le nouveau trottoir, le futur trottoir sera localisé dans une rue. Alors, le premier type de trottoir, c'est le trottoir aménagé dans la prise municipale engazonnée qui appartient à la ville. Alors, dans ce cas-là, le trottoir est aménagé derrière la bordure existante dans la prise de la ville, mais par contre, ce type de trottoir peut avoir l'impact sur la longueur des allées de stationnement privé ou sur les aménagements paysagers ou sur les arbres. Dans le but d'éviter l'impact sur les entrées privées, sur les propriétés privées, sur les aménagements, comme deuxième type de trottoir peut être envisagé, c'est le trottoir qui est complètement aménagé dans la chaussée. Mais vous comprenez que dans ce cas-là, il faut évaluer et gérer l'impact sur le stationnement sur rue. Et parfois, on utilise le trottoir qu'on appelle hybride. C'est le trottoir qu'on aménage une partie dans une emprise privée, dans une emprise publique et une partie dans la chaussée pour diminuer l'impact soit sur le stationnement, soit sur les stationnements privés. Troisième principe, c'est vraiment comme au niveau des objectifs de la conception parce que on veut... Quand même, on ajoute une nouvelle infrastructure dans le cadre de projet de trottoir sur une rue, ce qui peut changer des habitudes des gens. Alors, en conception, en préparant le concept, quand même, on cible de diminuer l'impact sur les propriétés privées. Aussi, en fonction du milieu traversé, on essaie de maintenir un nombre adéquat d'espaces de stationnement sur rue. Et aussi, on évite les enjeux techniques majeurs, l'abattage d'arbres, la gestion des talus, des déplacements des utilités publiques ou du réseau souterrain. Quand même, on essaie de rester dans la nature des projets de trottoir. On veut pas on évite
de transformer le projet en réaménagement complet de la rue. Maintenant, on peut regarder les concepts d'aménagement plus en détail. Alors, pour cette année, dans votre arrondissement, il est prévu 3 projets de trottoirs. Le premier projet sur la rue Fréchette, le deuxième sur la rue du Père-Lache et le troisième sur la rue, rue Estimbre. Alors, on va regarder en détail chaque concept d'aménagement. Alors, au niveau de la rue de Fréchette, le trottoir est prévu entre la rue du Père-Lache et la rue des Émilois. Alors, comme ça a été présenté, ce trottoir se trouve devant l'école et ce trottoir est vraiment justifié dans le cadre de la sécurisation du corridor scolaire de l'école de Beauséjour. Toujours en conception, on regarde la situation actuelle pour choisir le scénario optimal. Si on regarde rapidement la situation sur la rue Fréchette, la situation actuelle, on parle de local secondaire avec le débit de circulation qui correspond à sa rôle. On traverse le milieu résidentiel à faible densité. Actuellement, il y en a une voie par direction avec le stationnement permis de deux côtés. Le stationnement est peu utilisé. Aussi, il faut considérer qu'actuellement, il y en a le trottoir existant entre la rue de la Faune et la rue du Père-Lache. Alors, le but de continuer ce trottoir, on peut dire, largeur disponible de la chaussée 11 mètres dans la prise publique du 15 mètres. Alors, en fonction de ces données existantes, on vous propose le concept d'aménagement. Alors, on propose de construire le type de trottoir de type hybride. Alors, une partie on va chercher dans la chaussée, une partie on va chercher dans la prise publique qui appartient à la ville. Largeur proposée de la chaussée, on propose mettre à 10 mètres. Alors, on passe de 11 mètres existants à 10. On empiète dans la rue 1 mètre. Par contre, on empiète dans la prise publique de 75 cm. Ce qui veut dire que il aura l'impact sur la profondeur des entrées privées de 75 cm qu'il faut considérer. Largeur de trottoir est de 1,75 m, ce qui est minimum nécessaire pour le confort, pour assurer le déneigement et l'accessibilité universelle. Et en considérant la largeur de 10 m proposée, et aussi que le taux d'occupation de stationnement sur rue actuellement n'est pas élevé, alors on peut conserver les conditions de stationnement actuelles, c'est-à-dire autoriser le stationnement de deux côtés de la rue. Ça, c'est le concept d'aménagement pour la rue Fréchette. Maintenant, rapidement, on va regarder le concept d'aménagement pour la rue du Père-Lache. Alors, on parle de trottoir sur la rue du Père-Lache du côté nord de la rue, entre la rue des Peupliers Blancs et Fréchette. Alors, c'est le trottoir, encore une fois, dans le cadre de l'école de Beauséjour. Si on regarde la situation actuelle, on constate que c'est similaire à celle de la rue Fréchette, rue locale secondaire dans un milieu résidentiel à faible densité. L'usage de la chaussée est semblable, une voie par direction avec le stationnement qui est peu occupé, autorisé de deux côtés. Largeur de la chaussée est disponible de 11 mètres dans la prise de 15. Et encore une fois, pour le concept d'aménagement, qu'est-ce qu'on propose comme le concept? C'est le trottoir de type hybride. Encore une fois, on va chercher une partie de trottoir dans la chaussée, une partie derrière la bordure existante. La chaussée proposée de 9,6 mètres. Alors, on passe de 11 mètres existants vers 9,6. On empiète dans la rue 1,4 mètres et on empiète dans la prise publique de 35 cm. Ça veut dire que la diminution de des entrées privées est de 35 mètres. Aussi, avec cette largeur, en considérant la longueur de cette rue, en considérant le taux d'occupation de stationnement, on juge que les conditions de stationnement peuvent être maintenues. Maintenant, le projet de trottoir sur la rue Estimbre.
Alors, on propose de construire un nouveau trottoir sur la rue Estiambre entre les rues des Sommeliers et rue de la Faune. Alors, pourquoi ce trottoir? Pourquoi on propose de construire le trottoir sur la rue Estiambre? Alors, plusieurs critères étaient considérés dans cette réflexion. Alors, on va commencer par le premièrement, c'est le cheminement emprunté par des écoliers. Alors, ce tronçon de la rue se trouve dans la zone de marche de l'école primaire du Vignoble. Alors, c'est vraiment comme le but de compléter ce trottoir, de construire le trottoir au nord de la rue des Sommeliers, va nous permettre de sécuriser les déplacements des écoliers sur l'axe nord-sud du quartier ensemble, entre la rue de la Font jusqu'à Pomerol. Ensuite, un deuxième critère, c'est la hiérarchie du réseau routier. Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de hiérarchique sur le territoire de la ville de Québec, on a des artères et des collectrices. L'exemple, rue de la Faune, avenue Lapierre. Et on a aussi, tout de suite, immédiatement au-dessous, on a des locales principales. Alors, il faut comprendre que le local principal, c'est comme une colonne vertébrale du quartier résidentiel qui donne accès au réseau supérieur, qui donne accès au transport en commun. Et quand même, le débit de circulation est plus élevé par rapport au local secondaire. Alors, dans les exigences de la ville et aussi dans la vision d'aménagement, toutes les locales principales devraient être munies au minimum d'un trottoir. Alors, si on développe des quartiers résidentiels, et sur les locales principales, sur toutes les locales principales, on prévoit au minimum un trottoir. Dans le cas des quartiers existants, on essaie de corriger les situations en initiant des projets de trottoirs. C'est vraiment le cas pour la rue Estiambre. Troisième critère qu'il faut ajouter, c'est le débit de circulation élevé. Alors, comme j'ai expliqué, plus que le rôle hiérarchique de l'axe routier est élevé, plus qu'on a le débit de circulation sur une rue, et plus qu'on a le débit de circulation sur une rue, le partage entre les automobiles et les piétons est moins sécuritaire. C'est pour cette raison, comme le débit de circulation qui représente d'environ 2000 véhicules par jour, c'est déjà comme la limite à partir de laquelle on envisage ajouter le trottoir. Un autre élément à considérer, c'est la présence du transport en commun. On a un parcours du RTC. Et aussi, comme c'est juste un parcours, mais aussi il faut comprendre, vu que le local principal donne accès aux artères, aux collectrices, alors en même temps, ce trottoir va donner la possibilité de déplacer en sécurité vers les axes des Sommeliers, vers les axes de la rue de la Faune pour prendre les autobus, d'autres parcours du RTC et des express. Alors pour nous, c'est aussi comme un élément important à considérer. Et aussi comme ce trottoir va permettre de servir le quartier dans l'axe nord-sud et permettre de joindre des activités commerciales sur la rue de la Faune. Alors, l'épicerie Metro Plus, Carrefour des Arables, une pharmacie. Alors, tout comme l'amalgame de plusieurs critères, mais surtout, c'est le déplacement, sécuriser les déplacements des écoliers pour l'école primaire de Vignoble. Tous ces éléments nous ont amenés à la décision et à la conclusion que ce trottoir, il faut planifier. C'est juste comme l'image qui illustre les éléments de justification, les critères de justification que j'ai mentionnés. Alors, vous pouvez voir le nouveau trottoir entre la rue de la Fonde et la rue des Sommeliers. Aussi, comme le symbole qui représente un brigadier, alors il faut considérer qu'à l'intersection des Sommeliers et Estiambre, on a un brigadier qui gère la sécurité comme les déplacements des écoliers. Alors, vu qu'on ajoute le trottoir, alors les écoliers puissent aller à l'école comme en sécurité. Et aussi, comme dans la réflexion de la vision de développement du réseau piétonnier du secteur, du réseau du quartier résidentiel, on envisage continuer le trottoir sur la rue des Sommeliers.
Parce qu'en ajoutant le trottoir sur Estiambre, on va sécuriser les déplacements dans l'axe nord-sud, mais en continuant un trottoir sur la rue des Sommeliers, dans le futur, ça va nous permettre de servir le quartier et sécuriser l'axe est-ouest. Si on regarde la situation actuelle sur la rue Estiambre, alors comme je mentionnais, c'est un local principal avec le débit de circulation d'environ 2000 véhicules par jour. C'est du résidentiel avec la présence de transports en commun. Une voie par direction avec le stationnement permis de deux côtés. Le taux d'occupation de stationnement est assez faible. Présentement, comme sur ce tronçon, il n'y a pas de trottoir, mais par contre, il y en a le réseau de trottoirs sur la rue de la Faune, rue des Sommeliers, au sud de l'intersection Sommeliers-Estiambre. Largeur de la chaussée actuelle est de 10 mètres dans l'emprise de 15,2 mètres. Comme on a élaboré trois scénarios d'aménagement de trottoirs sur la rue Estiambre. On voudrait cet atelier d'échange est vraiment pour le but de vous présenter des scénarios, d'expliquer le choix des scénarios et aussi avoir la discussion avec vous sur les préoccupations. Prendre vos commentaires pour vraiment ensemble établir un bon concept et l'optimiser. Et Sergei, ça, on va faire ça à l'issue de cette présentation-ci. On va se rencontrer en sous-groupe et on pourra regarder là, avec les résidents là, de la rue Estiambre les différents scénarios là, qu'on a à vous proposer. Donc, on va faire ça là, dans quelques instants. Merci pour cette précision. On continue pour les prochaines étapes. C'est juste... vous présentez l'échéancier très, très préliminaire des étapes pour les projets de trottoir. Parce que quand même, il y en a beaucoup d'étapes dans le projet de trottoir. On parle de l'étape de justification, conception préliminaire, préparation des plans de vie, ensuite la réalisation des travaux. Alors, nous sommes actuellement à l'étape de préparation des plans de vie avec le consultant qui travaille sur plusieurs projets parmi ces projets, il y en a ces trois projets de trottoir. Alors, on envisage de finaliser cette étape en avril 2023. Ce soir, nous sommes à la séance d'information et d'échange. Suite à cette séance d'information et d'échange, on espère de trouver un bon concept pour guider et orienter notre consultant. Ensuite, les travaux, L'année des travaux, pour l'instant, comme on n'a pas d'échéancier précis, on cible cette année, mais tout est possible, tout peut arriver en fonction du marché, comme en fonction de la complexité des projets. Alors, pour l'instant, le projet, on prévoit cette année, mais comme ça se peut que quelques projets seront reportés. Mais si ça arrive, admettons comme normalement, les travaux débutent en été. Et premièrement, le concept dans le cas de la rue Estiambre sera communiqué avant, le concept choisi, retenu. Ensuite, une semaine avant le début de travaux, vous allez recevoir les dépliants d'informations avec l'échéancier des travaux, aussi avec la procédure, le déroulement des travaux, avec le personnel ressources qui est répondant pour toutes les questions. Et comme j'ai dit, les travaux de construction, c'est à déterminer. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas vous donner les dates précises. En plus de... Aujourd'hui, on vous présente les corridors scolaires, des trottoirs, qui ce sont des projets, des volets de la stratégie en sécurité routière, mais aussi dans votre quartier, Saint-Émile, il y en a d'autres projets de réaménagement, projets majeurs qui sont maintenant à l'étude. Ce sont des projets soit pour augmenter la capacité, soit pour la sécurité. Alors, c'est juste le petit résumé des projets. Alors, au total, il y en a quatre majeurs projets. Alors, le premier projet, c'est vraiment le réaménagement de l'intersection rue de la Faune, avenue Lapierre. Ce projet
En fait, tous les projets dans les défis techniques, mais ce projet exactement comme le concept préliminaire est préparé pour après chercher des solutions au niveau des acquisitions, au niveau des conflits avec les utilités publiques, le cadre bâti. Alors que nous sommes vraiment à l'étape de, pour ce projet, l'analyse de l'emprise, des possibilités de chercher les terrains pour réaliser les travaux préparatoires. Ensuite, le deuxième projet, c'est lié avec le nouveau développement. Comme sur l'avenue Lapierre en face de la rue des Sommeliers, aussi comme ce tronçon entre rue des Sommeliers et boulevard Bastien, ce projet et comme des grandes lignes de projet étaient présentés à la séance d'information l'année passée. Alors le projet suit sa route, il est à l'étape de validation technique. Mais il est vraiment dans une phase active. Ensuite, comme troisième projet, c'est le projet sur la rue Vézina entre avenue Lapierre et rue de l'Apogée. On a franchi l'étape de collecte de données, identification des besoins, des objectifs, la coordination avec les services et aussi les études de circulation. Alors, on passe à l'étape de conception préliminaire. Le quatrième projet dans votre quartier, c'est le projet sur la rue de la Faune, entre rue de l'Apogée et le parc bus du RTC qui se trouve dans l'arrondissement à Charlebourg. Ce projet aussi, c'est un projet majeur, mais après, les objectifs de ce projet, c'est ajouter un lien cyclo-piéton, augmenter la capacité pour sortir véhiculaire, pour sortir de Saint-Émile. Et aussi, ce projet est coordonné avec le projet du ministère pour l'élargissement de l'autoroute Laurentienne avec le réaménagement de Bretel. Ce projet aussi est en étude et peut-être bientôt, on va passer à la phase active. C'est pas mal résumé pour votre secteur, pour les projets qui sont maintenant dans les cartons de la ville. Donc, on serait rendu à la période de questions et de commentaires, Sergueï? Oui. Donc, avant peut-être qu'on puisse passer en atelier d'échange pour discuter là, des différents scénarios pour la rue Estienne, là, on est prêt à recevoir les questions et les commentaires. Je vous redonne la parole, équipe de l'interaction citoyenne. Parfait. Donc, je vais prendre le relais, là, tout à fait. On va débuter là avec des questions concernant la présentation qui vous a été faite. Comme Mme Larouche vient de le mentionner, là, la partie Estienne va vraiment faire l'objet de discussions en sous-groupe là, suivant la période de questions actuelle. Donc, on va prioriser certainement là, les questions là, concernant les corridors scolaires et les autres projets qui vous ont été présentés. Donc, je vous rappelle là, de bien vouloir utiliser l'outil main levée qui se trouve dans le bas de votre écran. Je ne vois pas personne qui s'est joint par téléphone, donc ça va. Monsieur Christophe Gagné, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Je vous entendais parler de sécuriser les corridors scolaires puis de promouvoir le transport actif, mais je vois que des trottoirs. Au niveau des pistes cyclables, si on veut permettre aux enfants en particulier d'aller à l'école à vélo, qu'est-ce qui est prévu? Je peux peut-être prendre la question si vous voulez. Donc, non, c'est Sergio. Non, je demandais à Sergio peut-être d'y aller avec. Puis peut-être okay. Monsieur. Monsieur Lachance, si vous voulez compléter, il n'y a pas de problème. On peut tous compléter. Donc, c'est vrai qu'effectivement, nous, on est venu présenter beaucoup d'infrastructures piétonnes. Alors, c'est sûr que dans les projets, même dans les gros projets qui ont été présentés, comme rue de la Faune ou avenue de la Pierre, c'est des infrastructures cyclo-piétonnes en plus qui sont rajoutées, puisqu'on est sur des axes qui nécessitent des équipements un peu plus lourds pour augmenter, on va dire, le confort des utilisateurs. C'est sûr que ce qui est visé souvent dans les rues qu'on a présentées, comme par exemple la rue Fréchette, c'est vraiment de venir réduire le champ de la rue, de venir donner vraiment un caractère local à des rues pour avoir un confort, on va dire, de vélo, on va dire, partage, qui aujourd'hui, avec nos collègues de la mobilité active, est quelque chose qui ressort assez fortement en score de confort quand on est sur des rues apaisées.
plutôt que de mettre des bollards et des bandes et des gens qui roulent très vite parce que les axes sont larges, ce n'est pas toujours un meilleur confort. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on était très axé là-dessus, mais la mobilité active, aussi vélo, fait partie des projets majeurs. Mais souvent, on va avoir des grosses infrastructures qui vont être liées à des gros projets. Donc, ce n'est pas du tout oublié, mais on essaye de trouver la place aussi adéquatement et de mettre une réponse aussi avec une infrastructure qui correspond. Bon, c'est un peu flou comme réponse, mais disons que c'est vraiment étudié, et dans le cas de la rue Fréchette, pour ne pas dire de cachette, on a vraiment travaillé avec nos équipes aussi de mobilité active en vélo, et on est arrivé à cette conclusion-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même regardé. Merci. Juste merci beaucoup, Bonifier rapidement, dire on regarde aussi pour le développement de liens Est-Ouest, beaucoup plus dans le secteur oui. Nord, de la ville. Sergio, j'ai pas grand-chose à rajouter, outre que aussi la nouvelle stratégie de mobilité active, la vision de mobilité active qu'on a annoncée, est à ses débuts et ça nous amène à changer beaucoup de développement dans le futur. Donc, soyez assurés qu'on continue à faire une meilleure implantation plus le temps avancera. Donc, soyez assurés qu'on n'oubliera pas votre secteur pour la suite. Oui, c'est ça. Puis pour rappeler aussi, dans les largeurs qu'on a présentées, ça ne bloque pas des aménagements futurs, c'est évolutif. En fait, on l'a réfléchi pour éviter justement la question de se dire on a fait quelque chose et puis on ne va plus revenir en arrière puisqu'en en fait, on l'a déjà construit il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pris en compte. Parfait, merci beaucoup de vos précisions, messieurs. On aurait une prochaine question de Madame Chantal Levasseur. Oui, bonsoir. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez dans les plans prévu un sentier qui mènerait de l'école de l'Étoile du Nord jusqu'à la rue de Cassiopée, parce que c'est une complexité là, vraiment là, très grande là, d'amener les piétons à l'école de l'Étoile du Nord, les élèves qui habitent sur Cassiopée, sur de la Grande Ourse, donc tous ceux et celles qui sont là, à l'ouest de l'école. Puisqu'il n'y a pas de trottoir sur la rue de Vézina et que sinon, ils doivent venir à l'école en voiture. Sergio, je vais te laisser répondre à la question. Effectivement, donc effectivement, ce lien est prévu dans l'aménagement global, on va dire, du secteur. Donc, il va arriver à la fin, en fait, puisque le terrain est aujourd'hui occupé par le promoteur, par Robco. Et en fait, dans le plan de développement, il y a quelque chose qui va arriver là pour faire le lien, justement, que vous mentionnez. Donc, c'est juste que c'est dans le plan de développement qui a été fait. Une fois que tous les travaux de développement seront terminés, bah, ce terrain-là va être amené à disparaître. Et puis, l'aménagement va se poursuivre, mais c'est prévu dans l'aménagement, en fait, final. Tout simplement. Après, on ne maîtrise pas la date encore aujourd'hui de mise en œuvre. Parfait, merci beaucoup. Donc, avant de poursuivre pour la période de questions pour les prochains intervenants, si vous désirez nous indiquer dans quel secteur du quartier ou sur quelle rue vous résidez, là, ça peut nous permettre de bien comprendre là, votre situation. Donc, on va poursuivre avec Madame Madeleine Dufour. Et si vous voulez, je vous invite aussi à ouvrir votre caméra, mais vous pouvez également la garder fermée. Je vais la garder fermée, merci. Oui, en fait, moi, je suis résidente de la rue Auguste-Renoir. C'était mentionné dans la brochure que vous alliez aborder le sujet du trottoir sur la rue Auguste-Renoir. Puis, à moins que mes enfants m'aient dérangé au mauvais moment, je n'ai pas l'impression que vous en avez parlé, si je me trompe. Sergi, je vais te laisser peut-être là, expliquer là, qu'est-ce qui s'en vient avec Auguste Renoir, s'il te plaît. Oui. Cette rue, pour cette rue, comme on a fait l'analyse, il y en a des réflexions de projets de réaménagement. Par contre, pour l'instant, ce qui était présenté à la séance d'échange, comme l'année passée, on a dit qu'on va aller avec les mesures temporaires, premièrement, et aussi, mais en même temps,
on continue nos analyses, les analyses de transit, de sécurité, etc. Mais aussi, les aménagements sur la rue Auguste-Lenoir, on coordonne avec le projet de Ciry-le-Duc. Et dans une première phase de projet, on prévoit le trottoir du côté nord de la rue, entre Avenue Lapierre jusqu'à nouvelle rue de ce nouveau développement. Pour l'instant, comme oui, on sait qu'on comprend qu'on peut pas, on continue pas tout de suite le trottoir, mais par contre, il y en a des enjeux de terrain, les enjeux de la profondeur des intérêts privés. Alors, c'est vraiment comme nos efforts et toutes les mesures temporaires qu'on veut implanter sur cette rue sont basées sur l'apaisement de la situation. Pour l'instant, en attendant aussi le projet de réaménagement de l'avenue Lapierre et rue Elisabeth II jusqu'à Bastien. Comme ça, on va soulager l'Auguste Noir parce que beaucoup, on ajoute une voie en direction, une voie de circulation en direction sud, et on trouve que après ça va comme ça, comme on va diminuer significativement le transit sur la rue Auguste Noir. Est-ce que vous avez l'intention de sonder les résidents? Parce que je comprends qu'il y a une question de propriété privée qu'on ne veut pas empiéter, parce que je me doute qu'on va devoir empiéter complètement sur les terrains parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans la rue. Mais est-ce que vous avez pensé à juste sonder les résidents? Parce que si tout le monde en majorité, à l'unanimité, on veut un trottoir, ça réglerait la question. C'est juste une question comme ça parce que je vous le dis, c'est extrêmement dangereux. Pour nous, nos enfants ne peuvent juste pas aller à l'école à pied là, à cause de ça. C'est vraiment dangereux. Oui, nous sommes vraiment au courant parce qu'on sait bien que c'est comme la problématique est liée avec le transit, mais le transit est lié sur le niveau de capacité routière et aussi sur la trame de rue. Alors, c'est sûr que les gens transitent par Auguste Noir. C'est sûr que comme on va pousser la réflexion pour les mesures temporaires pour l'été prochain. Mais le projet permanent, parce qu'on a analysé des sens uniques, on a analysé d'autres mesures, d'autres aménagements, mais ça lié aussi avec les conditions de circulation dans le futur après les travaux sur Avenue Lapierre. Sergei, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on va vraiment venir à la rencontre des citoyens, puis on va y aller en atelier d'échange avec différents scénarios. Puis j'entends votre proposition de sonder, peut-être même un sondage en amont là, pour aller mesurer auprès des résidents leur acceptabilité sur certains éléments. Là, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dès incessamment là, et rapidement pour aller chercher ce pouls-là. Merci. Merci. Parfait, merci à vous deux. Donc, on poursuit pour les questions. Monsieur Gagné. Oui, bonjour. Cette fois-ci, c'est par rapport à la sécurité routière là, plus directement sur la rue de Nicaouy. Moi, c'est là où j'habite. Le matin, en particulier, à l'heure d'arrivée des élèves, là, il y a un trafic automobile non négligeable. Puis il y a beaucoup d'usagers qui passent vraiment trop vite. Le soir un peu aussi, mais je l'observe plus le matin, peut-être juste à cause de mes heures de travail. Puis je me demandais qu'est-ce qui pourrait être fait, si ça avait été réfléchi d'abord de votre côté, et si oui, qu'est-ce que vous envisagez? Parce que de mettre un plateau surélevé au coin Galaxie de l'Apogée devant l'école, ça va être bien. Mais s'il n'y a pas d'autres aménagements, ma crainte, c'est que le trafic à relativement haute vitesse, donc on parle de 50 à 60 km/h, va se poursuivre sur Nicaouy et sur Galaxy, parce qu'évidemment, il y a d'autres automobilistes aussi qui contournent par le fer à cheval pour se rendre à l'école au lieu de poursuivre sur de l'Apogée, et moi, ça m'inquiète. Oui, effectivement, je peux répondre. Ou Daniel, si tu es là, parce que je sais que tu as fait des observations récemment. C'est comme tu préfères, je peux y aller si tu veux. Ben, tu peux y aller, puis je compléterai là, si les choses que je vois. Là. D'accord. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a observé effectivement sur la rue Nicaouy, puisque
C'est sûr que nous, au départ, là, quand on avait mis en place le corridor scolaire, ou au moins l'information aux parents pour accéder à l'école était de continuer sur Galaxy, puis de rester principalement sur Galaxy. Donc c'est vrai qu'on a observé que pour éviter de faire le grand tour, tendance à passer au milieu. Donc c'est sûr que là, on continue à analyser avec Daniel pour voir un peu ce qu'on pouvait faire. Effectivement, pour au moins apaiser, on va dire, ce chemin. Donc, on commence à travailler sur Galaxy. Après, on va regarder un peu ce qu'on va pouvoir travailler, que ce soit potentiellement au niveau géométrique ou d'aller rajouter quelques éléments, on va dire, pour modérer la circulation. Mais surtout qu'on va finaliser vraiment l'étude, parce qu'effectivement, vous allez l'air de dire que c'était le matin. Je ne sais pas, Daniel, toi, si c'est effectivement ce que tu observais aussi, parce que c'est souvent dans le sens montant, on va dire. Bien, avec le début de l'école, c'est sûr que ça paraît qu'il y a beaucoup de véhicules, mais on va y aller avec, on va poursuivre, comme tu as dit, les études, on va aller faire des relevés de vitesse, on va regarder ce qu'on peut mettre comme mesure d'atténuation, parce que c'est un petit tronçon. Hein. Puis là, on gère aussi en même temps le stationnement des employés, le stationnement des résidents. C'est tout un ensemble là, qu'on regarde aller et on voit comment ça se développe au fur et à mesure qu'on finalise les interventions là, autour de l'école. Donc, quand vous parlez d'aménagement, par exemple, des dos d'âne pourraient être considérés? Dos d'âne, pas spécialement, puisque c'est en termes d'effet sur la vitesse, en fait, c'est très limité. Dans le sens où en fait, ça va pas, hein, c'est plutôt des faits plus sur la vitesse, mais de façon moyenne plutôt que le dos d'âne. On peut imaginer des petits équipements, du rajout de balises entre-rues, par exemple, des choses comme ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour vraiment diminuer la largeur de chaussée, mais effectivement, il faut jouer aussi avec l'offre de stationnement à proximité. Puis, effectivement, le tronçon est court, donc il faut vraiment quelque chose d'assez linéaire. Le dos d'âne en lui-même, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on regarde plus des intersections surélevées qui ont un effet, et puis un effet plus sécuritaire que le dos d'âne en lui-même, ce qu'on avait l'habitude de voir. Et puis en plus, on a quand même une meilleure facilité d'intégrer des intersections surélevées pour ne pas gêner aussi tous les autres partenaires de sécurité qui sont les pompiers, les gros véhicules qui sont vraiment très gênés par les dos d'âne, alors que l'intersection surélevée ne les bloque pas plus que ça dans leur temps de parcours et dans leur utilisation. Donc c'est plus à ce niveau-là ou de voir potentiellement si on n'est pas capable de resserrer de part et d'autre de la rue. Des fois, des aménagements qu'on voit comme des types de gonflement, des choses comme ça. Mais avant d'arriver avec une solution finale, on va essayer de trouver la plus efficiente. Parfait, merci beaucoup. Donc, prochaine personne, Madame Levasseur. Oui, donc, étant la directrice de l'école de l'Étoile du Nord, donc l'école où vont les enfants de M. Gagné, qui vient tout juste de parler, je voudrais mentionner que je suis toujours très heureuse d'entendre parler des projets d'études, de projets qui seront probablement là, réalisés là, pour s'assurer de la sécurité des élèves. Mais je veux aussi apporter votre attention sur les éléments qui sont déjà mis en place, qui sont déjà comme des panneaux clignotants, qui sont déjà actuellement sur la rue et qui ne sont pas en fonction depuis l'ouverture de l'école, donc depuis plus d'un an et demi. Donc, ça, c'est un point. Donc, et ensuite, je voulais vous mentionner aussi au niveau de la sécurité des traverses piétonnières. Donc, nous, ça fait plusieurs fois, là, on a demandé à plusieurs reprises là, de venir là, installer là, une traversée là, de piétons devant l'école. Donc, ça a été fait l'an passé et je veux m'assurer que le message passe. On a envoyé des résolutions aussi par le conseil d'établissement. Et depuis que je suis à la direction de l'école, j'ai beaucoup, et la directrice qui était là aussi auparavant, avait beaucoup de commentaires, d'observations aussi, hein, parce qu'on est vraiment dans le quotidien puis on observe ce qui se passe autour.
jours et je peux vous dire qu'on aurait beaucoup de choses à vous mentionner puis qu'on serait très, très heureux de collaborer et d'échanger avec vous sur les éléments qui font en sorte que nos élèves ne sont pas toujours en sécurité. Donc, je vais répondre aux deux questions, Mme Levasseur. Pour ce qui est des panneaux clignotants, au niveau de la Ville de Québec, on a la responsabilité de mettre en place, de positionner, mettre en place les infrastructures. Par contre, malheureusement, le branchement, ce n'est pas sur notre responsabilité. C'est Hydro-Québec qui doit effectuer ces branchements-là. Donc, on a des équipes qui sont en place, qui relancent de manière hebdomadaire Hydro-Québec pour s'assurer de ces branchements-là. Mais ce volet-là, malheureusement, n'est pas sous notre contrôle. Donc, par contre, sachez qu'on est là, on les relance régulièrement, mais dans leur priorité d'intervention Hydro-Québec, le branchement de ce type de panneau-là, c'est leur priorité numéro 7 sur 8. Donc, vous comprendrez que nous, on est, je vous dirais, des gens qui sont, somme toute, très, très proactifs avec eux, mais on ne peut pas effectuer, malheureusement, ce branchement-là. Ce n'est pas notre réseau. Pour ce qui est des préoccupations à partager, il nous fera plaisir de les recevoir. On a dans le cadre de notre équipe là, des gens qui sont affairés dans le cadre de la stratégie de sécurité routière. On pourra là, peut-être à la fin de la rencontre là, échanger et partager là, les personnes contact avec lesquelles vous devez vous adresser là, au sein de mon équipe. Mais sachez là, que ces préoccupations-là, on les reçoit de manière là, de chacune de nos 115 écoles primaires. Ils sont regardés, sont analysés, puis les équipes là, vous reviennent par la suite. Ouais, je veux juste préciser, donc enchanté, puisque effectivement, je ne savais pas que Mme Voyer était philo. Oh, oui, 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 je vous ai contacté à plusieurs reprises depuis janvier. OK. Donc effectivement, donc, pour revenir sur l'histoire de la traverse, donc ça va arriver. Alors, pourquoi ça peut prendre un certain temps, mais ça peut être un message aussi d'ordre général, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un équipement, que ce soit une traverse piétonne, un passage pour personne ou des arrêts, c'est soumis à des réglementations. En fait, donc il y a tout un exercice réglementaire qui est rattaché avec ça. Donc, c'est en fait quelque chose qui prend un peu plus de temps malheureusement que juste aller mettre de la peinture et des panneaux, parce qu'en fait ça suit tout un circuit de validation et de règlements qui sont attachés avec ça. Donc effectivement, on en avait déjà parlé avec Mme Voyer à l'époque, donc c'est bien dans les tuyaux, donc ça devrait pas tarder que tout ça se mette en place, nonobstant le marquage au sol qui sera lui fait plutôt au printemps. Mais n'empêche que les panneaux ne devraient pas tarder. Puis en plus, ça suit un certain, quand c'est réglementaire, ça suit un circuit aussi de décision au niveau des organes de la ville. Pour les panneaux, donc Caroline effectivement a répondu. Pour être passé il n'y a pas si longtemps, à proximité, le câble est tiré, donc ça ne devrait pas tarder non plus parce qu'on voit que c'est déroulé, donc le branchement devrait aussi s'effectuer rapidement. On comprend que oui, c'est un peu long, mais on a le même enjeu de notre côté, comme a dit Caroline, on ne maîtrise pas la mise sous tension de tous ces équipements-là, puis on en a plusieurs tout autour de la ville, et puis de temps en temps, bah, ils se branchent, on n'est pas spécialement au courant non plus, donc on est un peu tributaire. Puis après, pour les commentaires, effectivement, on mettra la bonne personne ressource. Bien sûr. Il ne faut pas. Puis j'en profite parce que, écoutez, on utilise aussi les élèves hein, comme porte-parole et comme projet aussi donc de réalisation puis d'expression. Puis ils vous ont écrit une lettre. Ah. Oui, alors je vous inviterai à l'écouter. Alors, donc, nous sommes les quatre représentants du conseil municipal des élèves de notre école. Nous avons discuté avec les élèves de notre groupe et nous avons trouvé des idées pouvant améliorer les conditions de vie des élèves de notre école. Alors, comme proposition, donc celle qui est la plus importante pour nous, est d'avoir un vrai sentier aménagé dans le boisé à proximité de l'école ou bien un vrai trottoir sécuritaire sur la rue Vézina. Il y a plusieurs élèves qui habitent dans le secteur de l'autre côté du boisé. Ils ne se sentent pas en sécurité quand ils s'en viennent à l'école. On a même des élèves qui circulent à vélo qui pourraient profiter de ce nouvel aménagement. Alors, nous vous remercions de lire notre lettre et de prendre en considération nos idées. Donc, quatre élèves de l'école de l'Étoile du Nord. Et là, je comprends aussi que je devrais leur demander probablement d'écrire une lettre à Hydro-Québec.
On va la faire suivre à Hydro-Québec, Mme Levasseur. Donc, peut-être, on va s'assurer de l'avoir, mais vous avez vu dans la présentation pour la rue Vézina qu'on les a déjà écoutés. Hein? N'ayez crainte, là, M. Verrette et les citoyens du secteur nous ont fait, nous ont fait cheminer la préoccupation, puis on sait qu'elle est très, très présente. Là. Donc, c'est vraiment dans le cadre de nos analyses présentement. Puis le sentier, là, comme vous l'avez expliqué un petit peu plus tôt, là, Sergio, là, ça fait également ça fait partie de notre J'aimerais réponse. Juste ajouter une dernière chose, puis les autres idées, je pourrais les partager directement là, avec votre équipe, mais je pense qu'il y aurait peut-être un élément là, au niveau de la gestion de la circulation le vendredi matin avec les camions d'ordures qui passent exactement à l'heure, dans les rues directement face à l'école, qui circulent l'hiver où il y a la neige est accumulée dans les rues, à 8 heures où il y a des enfants du primaire qui se déplacent pour s'en venir à l'école, je trouve que ça n'a aucun sens. Fait que je pense qu'il y aurait moyen de déplacer le camion, le mettre à 8h30 ailleurs et de laisser les rues là, libres de camions d'ordures donc pendant l'heure où les élèves se déplacent. Madame Levasseur, c'est un excellent point. Je vais faire le pont avec ma collègue au niveau des matières résiduelles. Parfait, merci. Merci. Puis, on veut la copie de la lettre, s'il vous plaît. Ça va nous aider. Ben, Madame Levasseur, Caroline, si Madame Levasseur m'invite, parce qu'il y a un conseil, normalement, s'il y a un conseil, il y a un conseiller. Normalement, le conseiller doit siéger. Si je peux aller siéger à l'école, je vais aller chercher la lettre. Le conseil des élèves? Oui, je vais aller faire. Il n'y a aucun problème. Ce que j'entends, c'est la première fois que j'entends ça dans mes écoles, dans mon district, que j'ai un conseil étudiant. Oh oui, vraiment. On me fait plaisir d'aller voir et je vais aller expliquer le plan d'origine avec l'apogée et le secteur, pourquoi il n'y a pas de passage piéton là, on attend le pourquoi du comment. Là. Ça me fait plaisir d'y aller avec un plan. D'accord, c'est bon. Parfait, merci beaucoup Mme Levasseur, c'est très apprécié. On a une autre question, Madame Dufour. Je vois qu'il nous reste à peu près 3 minutes à notre période de questions. Donc, on va y aller avec Madame Dufour, puis par la suite, je pense qu'on va pouvoir poursuivre là, pour la portion d'atelier sur la rue Décembre. Madame Dufour. En fait, je suis désolée, je veux revenir sur le trottoir d'Auguste Renoir dont on a parlé tantôt, parce que suite à votre réponse, j'ai eu des réflexions. Est-ce que j'ai bien compris, en fait, qu'on va attendre de voir quel effet ça va avoir sur la circulation, de réaménager l'avenue Lapierre avant de confirmer ou d'explorer l'option d'ajouter un trottoir ou ça peut être fait en même temps? Je veux juste être sûre d'avoir bien compris parce que ça veut dire que ça va être dans un horizon très éloigné là, si on y va comme ça. Puis j'ai pas vraiment l'impression que ça va changer grand-chose dans notre situation, considérant que la rue Auguste-Renoir va toujours rester un raccourci pour les usagers de la route qui veulent se rendre dans le secteur Saint-Émile quand ils arrivent du boulevard Bastien. Là, donc, j'ai pas l'impression que ça va régler grand-chose. Non. Le trottoir, c'est sûr que le trottoir, c'est minimum qui est nécessaire. Mais comme vous le savez, il y en a des difficultés de l'implanter, mais c'est comme les sondages, comme le travail ensemble avec les résidents et avec les employés de la ville, je pense qu'on va trouver comme le type de trottoir et comment l'ajouter. Mais ma réponse pour une rue telle quelle, parce que c'est sûr que comme pour nous, on voit le problème est plus grand que seulement le trottoir, c'est juste une partie de résolution. Alors, c'est vraiment comme l'apaisement, le transit. Alors, c'est juste comme au niveau du transit, c'est comme peut-être comme l'effet qui se va donner, comme le projet sur l'avenue Lapierre, c'est sûr qu'il va donner l'effet sur le transit, sur le débit de circulation, sur la rue Auguste Renoir.
Madame Dufour, ce qu'on pourra faire, on a fait une présentation complète là, du secteur, là, Lapierre, Élisabeth II, Bastien. On pourra peut-être regarder, là, peut-être à la fin de la rencontre, où je prendrai vos coordonnées, là, le séquencement qui avait été là, proposé, puis on regardera là, également avec vous, là, c'est quoi les différentes étapes au niveau du projet. Présentement, là, on est vraiment dans la cueillette de données puis le volet de la faisabilité technique. Dans le fond, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui en vous rencontrant, là, c'est que le trottoir Auguste-Renoir, là, pour nous, c'est une priorité. C'est toujours dans les cartons puis on est vraiment en action. Donc, pour pas que les citoyens du secteur pensent que ce volet-là là, n'est pas traité, là, on voulait vraiment vous dire c'est toujours en action. Les équipes sont là, se penchent, sont en cueillette d'informations et c'est quelque chose qui fait partie de notre planification là, à court terme, le trottoir d'Auguste-Renoir. Donc, pour nous, là, c'est vraiment là, ce qu'on voulait vous passer comme message aujourd'hui. Là. On ne vous a pas oublié. Parfait, merci. Parfait. Et Madame Dufour, je vais transmettre vos coordonnées à Madame Larouche. On avait votre adresse courriel lors de votre inscription. Donc, on pourra faire le lien. Oui. Merci, parce qu'on n'avait pas été informé de beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Les nouveaux résidents de cette rue-là, on n'est pas au courant de grand-chose. Donc, j'apprécie. Merci. Parfait. Donc, merci à tous et à toutes pour vos interventions. Je poursuivrai avec la deuxième portion de la soirée, soit la présentation des différents scénarios pour la rue d'Estienne, qui va être suivie, dans le fond, de discussions en petits groupes. Donc, ceux et celles qui s'étaient présentés ce soir pour d'autres sujets que la rue Estienne, vous êtes libre de quitter la rencontre si vous le désirez, mais vous pouvez toujours rester avec nous là, si vous avez de l'intérêt. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à nos experts. Donc, Sergi, je vais te laisser partager ton écran là, pour présenter les trois scénarios. C'est comme je vais demander à Sergio de faire ça. Parfait, merci. Sergio, pourrais-tu partager la présentation, s'il te plaît? Alors, attends. C'est dans la même présentation? Exactement, c'est okay. Après Varia. Oui, oui. Deux secondes. Tu m'as pris de court. Ah, zoom. Est-ce que voilà. Vous voyez, c'est oui. Juste là. Parfait. Oui, c'est juste là. Parfait. Merci. Bon, alors, on continue pour avec les scénarios d'aménagement à vous proposer ce soir. D'abord, pour aujourd'hui, pour cette séance d'échange, on a choisi trois scénarios à vous présenter. Tous les scénarios proposent l'ajout de trottoir du côté est de la rue. Alors, juste comme des petites comme présentation de démarche, de réflexion, comment on est arrivé au scénario retenu. D'abord, le concepteur, dans son travail, comme quand elle a commencé comme cibler ou retenir des scénarios, il a fait l'analyse des éléments physiques de la rue. Alors, la largeur de la chaussée, la largeur de l'emprise, stationnement sur rue, la profondeur des entrées, la localisation des lampadaires, des utilités publiques, des arbres, continuité de trottoir. Alors, plusieurs critères qui étaient analysés. Et ensuite, on est arrivé à la conclusion que le trottoir à construire du côté est de la rue, c'est l'option plus préférable. Pourquoi? Parce que on traverse moins d'intersections. Alors, le trottoir du côté est de la rue, comme un piéton, un écolier, quand il va prendre ce trottoir, il traverse moins d'intersections. Aussi, on évite, on diminue au niveau des impacts sur les entrées privées, sur la profondeur des entrées privées. Aussi, comme du côté ouest, on a une entrée privée à pente inverse. Alors, on a fait la comparaison, on a modélisé chaque entrée avec l'occupation de voitures
Avec cette modélisation, on a regardé les scénarios, admettons selon le type de trottoir, le trottoir dans la prise, dans la chaussée, trottoir hybride, et on est arrivé à la conclusion qu'il y en a moins d'impact sur les entrées privées du côté est de la rue. Et aussi, pour nous, c'est important qu'en ajoutant le trottoir du côté est, on évite l'impact, le conflit avec la ligne de lampadaire. Alors, lors des travaux, ça ne nous oblige pas de déplacer des lampadaires sur toute la rue. Dès qu'on on a établi le côté de trottoir à construire, on a aussi analysé les options en fonction de rester quand même dans le cadre, dans la nature du projet de trottoir. Parce que le projet de trottoir, il consiste à déplacement des piéteurs si nécessaire à travailler dans la chaussée. Le projet, c'est seulement comme l'entrepreneur devrait travailler seulement d'un côté de la rue, alors il y en a juste des entraves d'un côté de la rue. Aussi, l'intervention partielle dans la fondation de la chaussée. Aussi, on a comme dans la nature du projet de trottoir, c'est la construction de trottoir tel quel et la réparation des arrières. C'est pour cette raison, les options où on déplace la rue, on joue de deux côtés de la rue, on nécessite le déplacement de tous les piéteurs de la rue, on nécessite retravailler toute la fondation de la chaussée. Alors, c'est les options qui sont envisagées pour déplacer les rues nous amènent à la conclusion que il faut prévoir le réaménagement de la rue au complet. C'est pour cette raison. Dans les scénarios qu'on vous présente aujourd'hui, on n'a pas considéré les options qui nécessitent le réaménagement d'une rue parce que on vous présente le projet de trottoir. Tout cela nous a amené à trois options retenues. Alors trois options proposent la construction de trottoirs du côté est de la rue et on vous propose à regarder ensemble l'option de trottoir d'aménagement de trottoir dans la prise publique. Derrière la bordure existante. La deuxième option qu'on vous propose à regarder ensemble, c'est le trottoir dans la chaussée, alors complètement dans la chaussée et pour éviter les conflits avec les terrains privés. Et la troisième option, c'est le trottoir hybride. Alors, on va regarder plus en détail les options. C'est le jeu prochain. Ouais. Alors, le premier scénario, à droite, il y en a une image pour vous permettre à visualiser la situation future. Alors, on propose d'aménager le trottoir toujours du côté est, derrière la bordure existante. Dans ce cas-là, la largeur de la chaussée qui est actuellement 10 mètres en conserve. Il n'y en a aucun changement dans les conditions de stationnement. Par contre, vu qu'on a un pied dans la prise publique, alors de 1,75 mètres, c'est la largeur de futur trottoir, il y aura la diminution de la profondeur des entrées privées. Si on regarde le deuxième scénario, c'est une option qui propose d'aménager le trottoir dans la chaussée complètement, dans le but d'éviter l'impact sur les entrées privées, sur les terrains privés. Alors, dans ce cas-là, on diminue la largeur de la chaussée de 1,75 mètres. On cherche dans la chaussée 1,75 mètres. Alors, la chaussée de 10 mètres, on passe à 8,25 mètres. La largeur du trottoir, toujours 1,75 mètres. Et l'empiètement dans la rue représente la largeur du trottoir. Le fait qu'on réduit significativement la largeur de la chaussée pour conserver double sens de circulation et conserver certains croisements des véhicules ainsi que le niveau de déneigement, cette option nécessite d'interdire le stationnement sur rue de deux côtés en tout temps. Ça, c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario qu'on a regardé, c'est le trottoir hybride. Ce modèle de trottoir permet au lieu d'éviter de certains impacts, de les diminuer de façon significative. Alors, dans cette option, on propose à réduire la chaussée à 9 mètres. Et à 9 mètres, alors on va passer de 10 mètres à 9.
Alors, on va chercher à mettre dans la chaussée et empiéter dans la prise publique de 75 cm. 75 cm représente un petit peu de 2 pieds. Alors, ça veut dire que la profondeur des entrées privées sera diminuée à 2 pieds. Au niveau des conditions de stationnement, la largeur, avec la largeur de 9 mètres, en période estivale, le stationnement sera conservé, alors le stationnement de deux côtés. Par contre, en période hivernale, ça nous comme pour assurer un bon déneigement, pour assurer le croisement des véhicules, on va interdire le stationnement d'un côté de la rue, ça va être du côté du trottoir, pour assurer un bon déneigement du trottoir. On peut, comme sur le prochain à cette date, on peut voir trois scénarios qu'on vous propose. Le premier scénario, c'est le trottoir qui est aménagé derrière la bordure existante. La largeur de la chaussée est conservée. Pas d'impact sur les conditions de stationnement. Par contre, il y en a l'impact sur la profondeur des entrées privées. Deuxième scénario permet d'éviter l'impact sur les entrées privées. Par contre, il y en a l'impact sur le stationnement sur rue. Et le troisième scénario, le trottoir hybride, permet de diminuer l'impact sur les entrées privées de façon significative et aussi permet de maintenir des conditions de circulation sur rue acceptables. Peut-être, Sergey, avant d'aller en atelier d'échange avec les citoyens, peut-être expliquer, lorsqu'on va derrière la bordure, dans l'emprise de la ville, qu'est-ce qui se passe avec l'aménagement, là, le travail qui est fait pour remettre, dans le fond, le tout dans des conditions optimales. Peut-être expliquer aux citoyens qu'est-ce que l'attention que la ville va porter là, là-dessus. Oui, parce que quand j'ai expliqué qu'est-ce que c'est le projet de trottoir, alors la réparation des arrières, c'est vraiment une clause qui oblige l'entrepreneur de mettre à l'état initial du gazon. C'est comme bien raccorder l'entrée privée avec le nouveau trottoir, réparer, faire des réparations nécessaires. S'il y en a des aménagements paysagers, alors l'entrepreneur qui doivent être déplacés, c'est toujours à l'acceptation avec le propriétaire. Il est obligé de remettre, comme vraiment bien coordonner avec les propriétaires toutes ces manipulations. Et aussi, comme quand on a parlé que, admettons, les citoyens vont recevoir les dépliants une semaine avant les travaux, mais aussi comme c'est important à dire que le représentant de l'entrepreneur va passer et voir avec chaque propriétaire comment faire des réparations. Admettons que vous allez voir où le nouveau trottoir sera implanté. Qu'est-ce que ça implique? Et si, admettons, comme pour chercher 2 pieds dans le cas de scénario 3, il faut, admettons, refaire l'entrée privée en pavé uni sur une certaine distance, alors l'entrepreneur est obligé d'utiliser les mêmes matériaux. La ville, comme on essaie d'accompagner le service de l'ingénierie, le service de transport où on travaille, accompagner l'entrepreneur, le surveillant de l'entrepreneur et des citoyens tout le long du projet de trottoir, de début jusqu'à la livraison. Merci beaucoup, Sergey, pour les précisions. Là, ça va éviter peut-être certaines questions ou préoccupations des citoyens. Parfait. Donc, peut-être qu'on peut enlever l'affichage à l'écran. Parfait. Merci beaucoup. Pour la suite de la soirée, là, c'est le moment prévu pour l'atelier d'échange. Donc, on va former deux groupes. Vous allez être accompagnés là, par moi-même ou ma collègue Héloïse Gaudreau. Puis, dans chacun des groupes, il va y avoir là, des intervenants du service du transport. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions si vous avez besoin de précisions sur certains aspects. Je vois une main levée. On peut la prendre si c'est des questions là, qui peuvent servir à la suite pour l'atelier. Donc, M. Marceau. Oui, c'est le scénario des deux groupes. Je pense que les gens de la rue Estière aimeraient être tous dans le même groupe. On a tous la même opinion de toute façon, là. Fait qu'on aimerait participer ensemble
dans l'échange? Simplement que je vois qu'il y a beaucoup de personnes en ligne là, en ce moment, donc je pense que ça peut être bénéfique de séparer les groupes tout simplement pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, on a un temps limité là, malgré tout ce soir. Je pense qu'il voulait que tous les gens de Estiam soient dans l'atelier Estiam, en fait. Oui, l'atelier Estiam, parce que de toute façon, on a répondu à un questionnaire en début, là, puis tout le monde l'a mentionné. J'imagine que tous les citoyens d'Estiam ont répondu à la même question, là, donc on aimerait peut-être être ensemble. C'est comme ça qu'on le voit. Là. Oui, en fait, l'atelier d'échange va porter exclusivement sur les scénarios qui viennent d'être présentés. Donc, c'est des questions là, à savoir quel scénario vous préférez, lequel vous semble le moins intéressant et s'il y a d'autres éléments qui devraient être considérés dans le choix du scénario final. Donc, les deux groupes qu'on va former là, vont être soumis là, on va leur soumettre les mêmes questions finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une période de questions suivant la première présentation. Puis là, on est vraiment rendu à la portion atelier d'échange concernant Estiamp. Mais peut-être avant de débuter, d'abord l'atelier, il y a un élément qui n'a pas été discuté que j'aimerais peut-être qu'on discute. Et à ce moment-là, dans l'atelier, on pourra probablement échanger aussi là-dessus. C'est le parcours du RTC. Le parcours du RTC, bon, c'est ça. On a une emprise de 15 mètres, 15,2 mètres sur Estiamp. Et puis sur Vaillancourt, vous avez une emprise de 18 mètres. Je me demande pourquoi, puis le parcours du RTC, de toute façon, a déjà été sur Vaillancourt. Pourquoi ne pas transférer le parcours du RTC sur Vaillancourt? Probablement que dans les scénarios, ça faciliterait de beaucoup les scénarios à proposer. Ce que je peux répondre par rapport au parcours du RTC, comme vous l'a montré, Sergueï, là, d'entrée de jeu, il y a plusieurs critères qui nous ont amenés à justifier la mise en place d'un trottoir sur la rue Estiamp. Oui, le transport en commun en est un, mais également la colonne vertébrale du quartier. Puis je reviens également là, sur le corridor qu'empruntent les jeunes pour se rendre également au niveau de l'école. Donc, tu sais, le RTC est une chose, je l'ai pris en note, c'est des choses qu'on pourra regarder là, par la suite. Mais tout le volet de la justification, la mise en place du trottoir pour le lien avec les différents quartiers, ces choses-là, c'est important pour nous là, de l'avoir, le trottoir sur la rue Estiamp. Quand on parle d'un changement d'un réseau d'autobus et d'un, il faut regarder tout le volet du braquage, la courbe, les pentes, voir également les circuits d'autobus. J'ai pris note de votre commentaire, de votre proposition pour le volet RTC. Je vais soumettre ça là, à nos partenaires, mais il en demeure pas moins qu'avec les autres critères qui nécessitent puis qui justifient la mise en place du trottoir sur la rue Estiamp, pour nous, là, c'est important qu'on puisse échanger là, avec les trois scénarios qui vous sont proposés ce soir. Ouais, mais on n'est pas contre le trottoir, là. C'est pas de ça, on est pour la sécurité. Mais une difficulté qui s'ajoute à l'ajout du trottoir, c'est le parcours du RTC. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est large, le véhicule, puis ça passe. Puis sur Vaillancourt, on a fait un test cette semaine. On a réussi à mettre la main sur un de mes amis qui possède des autobus scolaires. On est allé prendre Vaillancourt. On est sorti sur de la fonte des deux bords. Jamais eu de problème, jamais de difficulté. Par contre, on en a eu sur Estiamp parce que le braquage du côté, en allant du côté est, c'est très difficile, alors que sur Vaillancourt, que ce soit à l'est ou à l'ouest, le braquage se fait très bien. Alors, je voulais ajouter ça pour qu'on en discute. Parfait. C'est excellent, M. Marceau, puis c'est pris en note. Puis c'est des choses qu'on va pouvoir discuter dans les sous-groupes, justement, vous aurez l'occasion là, d'en faire mention. Je vois une autre main levée. Si c'est vraiment une question d'intérêt général, on peut la prendre ensuite. On va vraiment aller en sous-groupe. Là. Comme je vous disais, il y a des gens du service du transport qui vont être là pour répondre à vos questions, puis on va pouvoir là, procéder aux questions. Donc, M. Jonathan. Oui, j'aimerais un peu aborder dans le même sens que M. Marceau. On ne veut pas être sous-divisé. Et puis, dans vos scénarios, vous ne parlez jamais que vous avez rencontré les citoyens en 2019, que la rue a été refaite dernièrement. Et dans vos problématiques hautes, il y a beaucoup d'aspects que vous semblez négliger. Vous pensez, vous dites prendre nos commentaires en considération, mais on relance des discussions et des sujets sur lesquels on s'est déjà prononcé dans le passé, les résidents de ce secteur. Et correction,
Moi, mes enfants sont dans le secteur de la partie haute vers la Fonde et ne vont pas à l'école du vignoble, là, ils vont à l'accueil. Ça change aussi également cet aspect. Parfait. Donc, je précise en fait que les sous-groupes vont traiter là, les mêmes questions. L'intérêt de se diviser en sous-groupes, c'est vraiment de pouvoir permettre là, un échange plus fluide. Puis, à la fin des sous-groupes, on va se retrouver dans le même grand groupe. Donc, on va faire le résumé des échanges qui auront eu lieu là, dans les sous-groupes. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'informations qui vont se perdre. Là. C'est vraiment par souci de fluidité. Donc, Madame Gagnon, je vais prendre quand même la question. Je trouve ça important parce qu'en 2019, on était là et j'avais dit qu'il n'y avait pas de trottoir qui se ferait, bien entendu, parce que deux raisons. On n'avait pas consulté les citoyens et il y avait un problème de trottoir à l'ouest avec les contre-pentes. On n'avait pas avisé, on n'était pas capable. Donc, à ce moment-là, on avait pris la décision de ne pas y aller. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et non, mais ça reste, Monsieur Jonathan, je parle. Les propositions étaient exactement les mêmes ou similaires. Je tiens à le préciser, il ne faudrait pas non plus prendre les gens pour des fous. Là. Vos scénarios étaient quasiment identiques. Merci. Non, il n'était pas présenté. Marc Desrivières était là. Et on avait revenu et ce n'était pas les bonnes solutions. Ça avait été des bouts. Bon, mais je vous fournirai à ce moment-là des preuves qui concèdent ça. Monsieur Jonathan, je suis capable de prendre mes responsabilités et de dire que j'ai effectivement pris la décision de repositionner le trottoir sur l'ensemble, une question de sécurité publique face à la population et la demande des écoles de mon quartier, tout simplement. Oui, oui. J'ai 5 enfants et je pense que la sécurité des enfants est primordiale. Parfait. Pour ce qui est de la consultation, Dominique, si je peux me permettre, bien, ce soir, c'est un exercice qu'on fait avec vous. Hein. On veut vous entendre, on veut voir les préoccupations. Les équipes ont travaillé sur des scénarios. Je pense que c'est important qu'on puisse vous entendre. De notre côté, les équipes, ils ont vraiment analysé le tout. Je pense qu'on vous présente trois options sur la table pour lesquelles on veut vraiment entendre les pour, les contre, celles qui vous parlent le plus, celles qui vous parlent le moins. Puis, je pense que c'est important qu'on puisse avoir ce dialogue. Là, tout le monde ensemble. Parfait. Donc, sans plus attendre, je vais créer les sous-groupes. Il va y avoir là, dans quelques instants une petite fenêtre qui va apparaître à votre écran. Simplement, là, accepter d'être téléporté dans le sous-groupe virtuel. Puis, on va se retrouver dans cette salle-ci. Parfait. Et on est rendu à la dernière partie de la séance. Et on va inviter les représentants ou les représentantes de chaque groupe à présenter le résumé de leurs échanges. Pour le groupe 1, est-ce qu'on a un représentant ou une représentante, Dominique? Ça va être moi, la représentante, okay. Mais j'invite les gens qui étaient dans mon groupe, si jamais là, il y a des compléments d'informations à donner. N'hésitez pas à le faire. Donc, moi, dans mon groupe, il y avait quand même des opinions assez divergentes. Donc, une personne qui était en faveur du premier scénario, là, à savoir celui qu'on avec le trottoir là, complètement dans l'emprise, pour éventuellement peut-être garder une place pour le vélo, d'éventuels aménagements cyclables là, dans la rue ou stationnement. Puis pour elle suggérait également pour accommoder les résidents, de réserver des stationnements dans la rue pour les résidents touchés par cette perte d'espace-là, dans l'allée de stationnement. Également aussi pour le scénario numéro 2, donc le trottoir est ménagé dans la rue, dans l'entrée de la rue. Donc, il y avait quand même quatre ou cinq personnes qui étaient en faveur de ce scénario-là. Pour des raisons notamment de sécurité, donc à l'année, donc réduire les voies de circulation pour réduire les vitesses des automobilistes. C'est sûr qu'il y avait quand même une crainte là, pour l'acceptabilité du fait de ne plus avoir de stationnement sur rue. Voilà, mais il y a certaines personnes qui disaient que la sécurité n'était pas garantie du fait que parfois le stationnement sur rue permet là, de réduire justement les voies de circulation. Donc voilà, il y avait des personnes qui étaient favorables pour ce scénario-là, d'autres qui étaient moins favorables.
Le scénario 3 également, choisi par quelques participants. On comprend que c'est un compromis qui serait acceptable pour notamment permettre le stationnement de motorisés qui ne serait pas possible avec un stationnement là, complètement dans l'emprise sur les terrains à l'est. Puis ça permet également de stationner un second véhicule dans la rue. Donc, à certains endroits. Puis, la présence, encore une fois, là, de véhicules de stationnement sur rue permet de réduire là, la vitesse sur ce tronçon. Donc, les éléments aussi à considérer, on a parlé beaucoup, encore une fois, du circuit du RTC, donc le respect des vitesses par les autobus. Et aussi là, la situation actuelle là, avec les véhicules stationnés, la circulation là, des véhicules lourds comme ceux du RTC là, est jugée difficile actuellement. On a ici mentionné l'intérêt ou l'importance d'analyser la possibilité d'inclure un trottoir sur Saint-Romain. C'est une autre rue là, du secteur où circulent beaucoup d'enfants en bas âge, en âge scolaire, là, pour se rendre à l'école. Je pense que je fais un bon résumé. Je vois une main levée de M. Tremblay. Je permets une personne de mon groupe de compléter pour s'assurer qu'on ait toute l'information. Donc, M. Tremblay, vous êtes désigné. Oui, bonsoir. Désolé, on a eu un petit problème de micro. Nous, on choisirait l'option 2. C'est la moins pire. Sauf que, tu sais, je me dis, d'abord, là, on parlait du RTC, ils ne respectent pas beaucoup les limites de vitesse. Beaucoup d'automobilistes ne les respectent pas non plus. Puis c'est bien beau avoir la sécurité avec un trottoir, mais quand tu arrives aux intersections, c'est là ce qui est le danger. Les arrêts obligatoires ne sont pas respectés non plus. Fait, quand tu arrives au bout du trottoir et tu traverses sur l'autre, bien, il y a un danger. Fait, je ne sais pas si pour avoir plus de patrouilles de fait un peu, parce que je ne sais pas comment régler ce problème-là. Là. Ça circule vraiment trop vite. Là. Autant les RTC que les déneigeurs. Puis je pense que le fait d'avoir peut-être un sens unique, je sais qu'on parlait des requêtes des ordures tantôt, mais ça se fait dans d'autres sens uniques aussi. Là, ils ne seraient pas les seuls à avoir ça. Parce que ça viendrait peut-être aider aussi, même le RTC, on parlait d'intersection en haut là, avec le Estiampe et de la Faune. Ça faciliterait là, le fait d'entrer et sortir de la rue aussi, là, d'avoir un sens unique. Ça permettrait de garder aussi là, les stationnements dans la rue, au moins sur un côté. Fait que c'est ça mon point de vue. Parfait. Pour préciser, M. Tremblay, effectivement, on a eu un problème de micro, donc... Oui, ça marche pas. C'est parfait. Donc, le sens unique, je ne sais pas si Mme Larouche, on en a parlé un petit peu dans notre groupe, peut-être répéter l'information là, pour au profit de tous les participants. Au niveau de la mise en place d'un sens unique, là, ça nécessite à la fois l'évaluation de l'impact de celui-ci sur les rues qui vont se retrouver de manière transversale pour mesurer le transit. Parce que lorsqu'on met en place un sens unique, ça change les habitudes de déplacement. Puis il y a des déplacements qui se retrouvent dans d'autres rues, dans d'autres quartiers, dans le même quartier, mais dans le même secteur. Puis il faut évaluer l'impact que ça peut avoir là, sur ces déplacements-là de débit véhiculaire. Mais on l'a pris également là, en note. Puis peut-être que je vais le faire de manière générale. Là, à l'issue de tous vos commentaires et vos échanges, là, on a pris en note le RTC, les vitesses. On repart avec ces éléments-là, c'est sûr et certain. Merci. Maintenant, on va y aller avec le groupe 2, Héloïse. Oui, en fait, nous, on a été peut-être des mauvais élèves. On n'a pas répondu là, au scénario favorisé. On a répondu seulement à la question sur les éléments à considérer ou les éléments pas considérés. Alors, je m'en excuse. On a un porte-parole là, qui va faire le travail de ramener les éléments qui ont été soulevés en plénière. Alors, c'est une personne qui s'appelle Simon. Est-ce que Simon, vous êtes prêt à ouvrir le micro puis à faire le rapport de ce qu'on a discuté? Je suis prêt. Allez-y. Et je vous félicite. J'aime la façon que ça a procédé. Je ne sais pas si on touche beaucoup de monde, mais j'aimerais ça que je vais parler pour je ne sais pas combien de personnes. Le résumé de ce que le groupe 2 a dit, c'est qu'il prône la sécurité, bien entendu. On trouve que tout va se passer sur la rue Estiane,
qui est plus étroite que la rue Vaillancourt dans l'ensemble. Puis, on est réticent un peu à avoir des trottoirs, honnêtement. Puis, ça va compliquer, honnêtement, là, présentement. Je regarde dans la rue, les rues sont étroites à cause qu'il y a beaucoup de neige, ainsi de suite. On se demande pourquoi que ça, tout va se passer sur la rue Estienne, tandis qu'on a deux rues parallèles importantes. Donc, pour la sécurité des enfants, je pense que ce n'est pas la bonne option de tout mettre sur la même rue. Alors, on devrait partager entre la rue Vaillancourt et la rue Estienne l'ensemble des deux rues importantes qui descendent en parallèle. Puis, tantôt, on parlait aussi, les trottoirs, c'est quelque chose, mais la rue des Sommeliers, c'est une rue très, très grande, puis large. Puis quand on regarde le monde, ils ne se promènent pas sur les trottoirs en bicycle, ils se promènent dans la rue, ainsi de suite. Ils pourraient peut-être avoir une piste cyclable sur la rue Stiam, une piste cyclable pour les piétons sur la rue Vaillancourt, pour ne pas tout mettre sur la rue qui est moins large que la rue Vaillancourt. C'est un peu le portrait que... Je crois que peut-être que ça l'empêcherait d'empiéter sur les terrains, ça coûterait moins cher de faire des trottoirs. Tu sais, c'est, dans le fond, on sait que la Ville a des budgets de 5 millions par année pour faire des choses, mais qu'est-ce que moi je préconise, c'est mettre l'argent aux bonnes places et vraiment en prônant la sécurité des enfants et de tout le monde. Qu'est-ce qu'on réalise quand on se promène partout? Ça fait quand même 30 ans que je demeure ici. C'est que les trottoirs, le monde, il est mieux se promener en carrosse dans la rue que sur le trottoir. Les bicycles, on n'en voit pas souvent ces trottoirs. C'est vraiment là, mettre pas tasser des poteaux pour mettre un trottoir puis les mettre l'autre bord de la rue parce que ça va coûter moins cher. C'est peut-être une piste cyclable que ça prendrait sur la rue Estienne puis une piste piétonnière pour les piétons sur la rue Vaillancourt, parce qu'entre les deux rues, il y a environ 150 pieds ou 200 pieds, c'est minime. Puis il y aurait un aménagement, tu sais, une logistique, le fun. Des sens uniques, c'est un bon concept aussi. Tu sais, vraiment, là, bien penser aux choses. Un bon investissement, c'est peut-être pas des trottoirs de nos jours. C'est peut-être une piste cyclable, c'est peut-être une piste cyclable piétonnière. Tu sais, il y a de quoi à faire là, qui peut être vraiment le fun pour tout le monde, puis qu'il n'encombre pas personne, puis que tout, puis ça coûte moins cher, puis que tout va bien aller. Mais merci pour ces propositions puis d'avoir ramené de ce qui s'est passé dans le groupe 2. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de compléter le rapport là, de M. Simon? Donc, parfait. Je pense que ça fait le tour là, de ce qui s'était dit en gros là, dans notre sous-groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Madame Drolette, vous avez levé la main. Est-ce que c'est pour... Oui, c'est un point que... Bonjour, c'est Éric. C'est un point qui n'a pas été parlé, que j'avais amené tout à l'heure. Si on veut faire un choix adéquat sur les trottoirs sur Estiambre, est-ce qu'il y aura un feu de circulation au coin de Estiambre et de la Faune, qui, j'ai entendu parler, qui était en prévision du nouveau quartier résidentiel à la série Le Duc? Fait que si... on veut prendre un choix éclairé, bien, il faudrait avoir cette réponse-là au préalable pour savoir quelle sorte de circulation il y aura sur notre rue, puis on pourra ensuite prendre une décision au niveau de la largeur de la rue, de l'emprise, du trottoir, peu importe. Donc, c'est un point que je relance, mais qu'on a parlé déjà avec d'autres citoyens là, près de chez nous que ce projet-là s'en vient et il faudrait peut-être prendre une décision de ça avant de faire des trottoirs qu'on pourrait regretter notre choix par la suite. Sergei, est-ce que tu veux répondre au niveau du feu de circulation? Il se retrouve sur la pierre à l'intersection Sommelier, oui. C'est bien ça? Oui, dans le cadre du projet de Cyril Leduc, l'ajout de feu est prévu à l'intersection Avenue-la-Pierre et rue des Sommeliers. Au niveau de la rue, comme admettons, l'intersection rue Estiambre et de la Faune, pour l'instant, rien qui est prévu, mais ça ne nous empêche pas de monitorer cette situation. OK. C'est ce que je voulais savoir parce que
ce que j'entendais dire là, au niveau de vos projets, c'est qu'il y aura un feu de circulation au niveau de Estiambre et de la faune. Puis honnêtement, si c'est le cas, ben le débit de voiture sera terriblement augmenté. Donc, le scénario de trottoir, faudrait peut-être en prendre en considération là, si c'est dans vos cartons ou non. Non, c'est bien rue des Sommeliers et avenue Lapierre. Non, un feu de circulation sur le feu de circulation. Estiambre et de la faune. Pour descendre la circulation de la faune sur Estiambre vers les Sommeliers pour aller vers la Série Le Duc. Mais pour ce, c'est comme lors de cette séance d'échange, on a parlé qu'on va analyser le secteur, c'est comme qui entre la rue de la faune, la pierre, rue des Sommeliers. On a dit qu'on va faire des études de transit et vraiment comme ça, on voulait choisir des bonnes mesures de mitigation du transit. C'est comme, mais on n'est pas allé en détail sur les mesures. C'est sûr que ce n'est pas dans notre but. OK. Ben, je me demande juste que si on a un choix de trottoir à faire ou de largeur d'emprise sur la rue Estiambre, puis par la suite, dans 5 ans, vous mettez un feu de circulation au coin de la rue Estiambre et de la faune, on s'entend qu'on peut faire un mauvais choix de trottoir à ce moment-là. Mais comme on a mentionné, parce que on considère la rue Estiambre, c'est une rue comme empruntée par des écoliers. Alors c'est sûr que comme dans cette équation, l'augmentation du débit de circulation et la sécurité ça vont pas ensemble. OK. C'est bon, merci. Merci. Avant de donner la parole à M. Lachance pour le mot de la fin, est-ce que Mme Larouche voulait ajouter? Oui. Pour ma part, à moi, je tiens à vous remercier. Il y a beaucoup de notes qui ont été prises là, par moi et les membres de l'équipe là, ce soir, que ce soit au niveau de vos préoccupations, des enjeux. C'est sûr et certain que nous, au niveau des analyses, je ne vous cacherai pas, puis Sergei vous l'a démontré, pour nous, quand on regarde la situation actuelle, une infrastructure sécuritaire de mobilité active comme un trottoir, c'est quelque chose que pour nous, c'est une infrastructure qui est nécessaire au niveau de la rue Estiambre pour assurer la sécurité des déplacements actifs. On a pris vraiment note de tous vos commentaires. On va retourner avec ceux-ci. On va regarder là, avec l'équipe là, qu'est-ce qui pourrait être ajusté, modulé. Je tiens à vous remercier là, de votre participation. Puis j'ai également des notes là, au niveau vitesse, intersection, RTC, également le déneigement, vitesse des camions. Donc, je repars avec tout ça. Il y a plusieurs suivis qui vont se faire avec mes collègues de travail. Là, et sachez là, que tous vos propos ont été bien notés. Donc, merci beaucoup de votre participation. Excusez-moi, est-ce que vous allez nous refaire une nouvelle rencontre avec nous? La manière qu'on va fonctionner là, habituellement, là, quand on fait ce type d'atelier d'échange-là, nous, on regarde tout ça, puis on vous revient, on a toutes vos adresses de courriel, donc on va vous informer par le biais des adresses de courriel un petit peu les scénarios qui ont été sélectionnés, puis c'est quoi les prochaines étapes. Donc, on va vous tenir informés. Parfait. Merci. Merci. Alors, M. Lachance, pour le mot de la fin. Merci, Sayana. Bon, premièrement, merci à toute l'équipe d'Interaction citoyenne, Héloïse, Dominique, de votre professionnalisme. Merci, Caroline, Sergei aussi pour votre travail, votre prise de notes. Très enrichissant comme échange. Et c'est drôle parce que moi, j'ai la responsabilité d'un quartier Saint-Roch, d'un district Saint-Roch-Saint-Sauveur où les réalités sont très différentes de votre secteur où justement nos trottoirs sont peu larges et les gens nous réclament des trottoirs plus larges, quitte à couper un peu partout pour tout. Donc, pour moi, ça enrichit beaucoup le travail qu'on a à faire aussi pour amener une vision de... Ah, Sergio, c'est vrai, je t'avais oublié vu que tu avais fermé ta caméra. Merci. Donc, pour nous, ça amène ce travail-là d'adaptation qu'on doit faire dans nos approches pour réussir à amener les bons projets aux bons endroits pour atteindre les bons résultats. Et ces bons résultats-là, bien, Caroline l'a souligné à merveille, une sécurité pour les personnes les plus vulnérables, nos piétons, nos cyclistes, nos personnes à mobilité réduite, nos enfants. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on travaille et merci de votre savoir, de votre secteur pour permettre de bonifier le projet et le travailler au mieux.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent ce soir. Et si jamais vous avez des questions, je crois que dans l'avis que vous avez reçu, il y a mon courriel. Vous pouvez m'écrire, puis je vais transférer les questions aux bonnes personnes. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée, au revoir. Est-ce qu'on peut savoir si la présentation va pouvoir être disponible quelque part? Ou... Oui, la présentation va être disponible dans la page web de la séance d'information. Merci. Merci. Bonne soirée.